Plus de 200 écoliers de l'école primaire publique 1 de Dinyango dans le département du Gagnoa ont reçu des kits scolaires des mains de Colette Pelo-Lakwe, conseillère économique, sociale, culturelle et environnementale, dont de la première dame Dominique Ouattara. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du préfet des régions Fofana Lansina, du président du conseil régional du Gor, Joachim Yedie Bagnon, et de plusieurs chefs traditionnels. Ils ont besoin d'elle. Ils ont fait des doléances. Je vais lui amener cela pour les cantines des enfants. Ils en ont besoin, les enfants. Un enfant qui ne mange pas à midi, c'est la cata. Alors, ils ont fait des doléances et tout ce qui a été demandé, je viendrai lui déposer cela. Ce don de la première dame, Dominique Ouattara, vient soulager des familles et de nombreux enfants. Le président de la cérémonie, Joachim Yedie Bagnon, a remercié l'épouse du chef de l'État et la fondation Children of Africa pour toutes les actions qu'elle pose en faveur du bien-être des populations de la région du Gor. Elle veut encore une fois de plus gratifier ce matin nos petits-enfants des kits scolaires. Le président de la République lui-même, son excellence Alassane Ouattara, fait beaucoup de choses pour notre région. Madame également, elle fait beaucoup de choses pour notre région. Je demande à toute la population d'être reconnaissante. Et ça, je sais qu'il le manifeste déjà. L'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Dinyango, Madame Aïdara Lokbo-Adjaka, a plaidé pour la construction d'une cantine scolaire afin de permettre aux élèves qui résident loin de l'école de se restaurer sur place.